sommes début octobre, petite matinée de chasse. La météo est moyenne, mais il y a de l'humidité dans l'air. Donc les feuilles vont être mouillées, ça ne va pas être d'abiscotte pour faire des approches. Je pense que c'est intéressant pour aller faire un petit tour. Alors on va aller faire un petit tour dans cette montagne pyrénéenne pour voir si je peux rencontrer cerf, biche, faon ou les sangliers. C'est parti. C'est pas un très gros sanglier, mais il est passé, c'est frais du matin. Avec un peu de chance, ça pourrait conclure. C'est un sanglier qui doit faire entre 50 et 60 kg. Puis que on compte en gros 1 cm par 10 kg de poids. Donc là, ça fait entre 5 et 6 cm. Je pense que ça va être un petit sanglier. Et il est tout seul, d'une soixantaine de kilos. Et bien, on va continuer à poursuivre ces méfaits pour voir si on peut le rencontrer. Encore de nos jours, boire une fontaine avec une vraie source comme ça, c'est pas beau la vie. Thank you.
Sanglier de rencontre, plein sternum là. Incroyable. Tomber sur un sanglier comme ça le matin en se promenant. Ici c'est super rare. Putain, 25 mètres. Je l'ai vu arriver sur une soixantaine de mètres sur le chemin, tranquille. Au trot, tranquillou, même pas au trot, tranquille, il marchait un peu rapide. Je l'ai laissé approcher, il a fait un virage. J'entends des chiens au loin, peut-être que c'est l'équipe de la société d'à côté qui l'a dérangé. Peut-être, oui. Je ne sais pas, en attendant. Je me suis armé. Grâce au let-off de mon arc 80%, j'ai pu rester armé un super moment. Le voir arriver. Et puis, voir partir ma flèche plein spot, là je suis super content. On va attendre le petit quart d'heure syndical. Et on va attaquer la recherche au sein. Petit sanglier de rencontre ce matin. J'y suis tombé dessus par hasard. Comme on le voit bien, hein. Je l'ai tiré de face, 25 mètres, il m'arrivait par le chemin, je n'ai pas eu le temps de faire autrement. La flèche, elle est rentrée au cou, elle est ressortie derrière la patte ici, extraordinaire. Une superbe lame qui fait des dégâts monstrueux, puisque il y a pratiquement 6 cm de tranchant, efficacité garantie. Il a fait une soixantaine de mètres. La piste au sang, elle était toute tracée. C'est rien que du bonheur.